Bonjour, Reborn. Comment allez-vous? En tout cas, ici, ça ne va pas. Le jeune homme que vous voyez là-bas, là, il s'appelle Aroy. C'est un rappeur américain. Le rappeur Aroy est mort. Et la manière dont il est mort, là, ça a été filmé par une femme. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous montrer cette vidéo parce que c'est pas bon à voir. Mais les images qui sont ici en disent long sur le sujet. Attendez, je vous explique. Et vous allez retenir la leçon. Il ne faut jamais tourner le dos à un serpent. Il ne faut jamais donner le dos à son ennemi. Écoutez-moi bien. Il y a eu une bagarre qui a éclaté. Et ce jeune homme d'une vingtaine d'années était en train de se battre avec un gars de 17 ans, tandis que son autre gars, lui, son pote, était en train de se battre de l'autre côté avec d'autres gens. Vous voyez? Et lui, il a réussi à maîtriser ce gars de 17 ans. Il a neutralisé. Du coup, il s'est dit, bon, il faut qu'il aille secourir son ami de l'autre côté qui est en train de se battre aussi. Et quand il se dirigeait vers son ami en question, juste là derrière lui, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce gars de 17 ans, qu'il avait maîtrisé et qu'il a laissé là-bas à terre. Ce gars de 17 ans, ne pouvant pas accepter cette défaite, il a décidé de sauver l'honneur, son honneur. En quoi faisant? En faisant sortir une arme et en tirant sur ce rappeur, sur le dos. Pa, 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 pa! Tout de suite, le gars est tombé. Et selon l'information que nous venons de recevoir, il serait mort. Il serait mort. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et voici l'image de cette bagarre. Regardez. Vous avez vu ça? Comment est-ce qu'on a su que ça s'est passé ici? Bien évidemment, on a su que ça s'est passé ici parce que ça a été filmé par une femme. La femme là, elle était sur son live Facebook, ce que vous appelez souvent Facebook Live. Et depuis son balcon, elle était en train d'assister à cela. Et elle était de filmer tout ça. Ça a été filmé et montré au grand public en live. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et elle a filmé ça. Ces gens, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça se déroule ici. Ou que ça se termine ici. Et elle filmait. Elle a filmé tout. Et quand les amis du gars qui a tiré, du petit 17 ans qui a tiré, ont su que la femme, elle avait filmé ça, ces gens-là ont décidé de monter jusqu'à chez elle, entrer chez elle, et ils se sont mis à la frapper au point où elle est tombée évanouie. C'est comme si elle était morte. Et c'est suite à cela que la police est venue. Quand la police est venue, tout de suite, la police s'est rendue dans la maison de la femme, l'a récupérée et l'a envoyée à l'hôpital. Dieu merci, elle n'est pas décédée. Mais
Ce rappeur, apparemment, ce serait fini pour lui. J'étais en train de manger quand j'ai reçu cette information. J'ai dit, c'est pas possible. Les États-Unis, vous ne pouvez pas nous laisser tranquille avec votre histoire de mort. Tout en cela passe à dire, règlement de compte. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé d'un rappeur américain qui s'appelle Young Dolph, qui s'est fait abattre dans un magasin de cookies. Il était venu acheter des choses pour sa maman en plus. Et voici que deux gars armés sortant d'une Mercedes, d'une voiture Mercedes, ces gens-là se mettent à tirer sur lui. Il n'avait pas eu le temps de se défendre. Il est mort. Un jeune gars comme ça d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, pour avoir 50 ans aux États-Unis, ça allait être une mission impossible. Ça ressemble maintenant à une mission impossible. J'ai écouté ça et je me suis dit, mais que se passe-t-il? Et j'ai vu les images, comme cette image qu'elle a à l'écran. Vraiment, c'est incroyable. Maintenant, regardez très bien. Où est l'image qui est ici là? Que voyez-vous? Ici, on voit là où la bagarre avait éclaté. Oui. Là-bas, juste l'image où il y a la flèche. On voit où le petit tient l'arme et il dit pa 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 pa. Si je vois très bien, exactement, ça doit être ça. Waouh. Tout le monde est armé aux États-Unis. Quand tu n'as pas d'âme, les gens cherchent à t'impressionner. Quand tu es armé et que tu n'arrives pas à te contrôler maintenant, tu peux faire des morts. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai regardé un documentaire réalisé par des gens aux États-Unis. On dit qu'il y a un jeune gars aux États-Unis. Lui, il avait un problème avec sa tête, genre un problème mental. Et on l'avait envoyé à l'hôpital. Ils ont dit que ce jeune-là est dangereux. On doit le garder quelque part là-bas. Mais après, ils l'ont relâché, on ne sait pas pourquoi. C'est ce jeune homme-là qui, quelque temps plus tard, est allé s'acheter des armes et il est rentré à l'université. Dans cette l'université où il se trouvait et il s'est mis à parcourir chaque classe en tuant tout ce qui y était. C'est-à-dire que rentre dans une classe, s'il y a des gens là-dedans, il tue pa 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 ou il tue tout le monde et puis il vérifie bien que tout le monde est mort. Ça m'a fait mal, j'ai dit, j'ai vu les images et j'ai vu la tristesse sur les yeux d'une personne qui venait de perdre son parent. Oh non. Ce jour-là, j'ai regardé ça et je me suis dit vraiment, sur la tête ici, là, ce qui est important, ce n'est pas le sexe. Parce que souvent, on nous présente le sexe comme quelque chose de supérieur à tout. Je vous assure, sur la tête ici, ce qui est important, ce n'est pas l'argent. Parce que si on nous présente l'argent comme quelque chose qui est supérieur à tout, je vous assure que c'est la tête ici. Ce qui est important, ce n'est pas la drogue. Par exemple, on nous présente la drogue comme quelque chose qui est extraordinaire. Ce qui est important de la vie, c'est la vie elle-même. Vivre et mourir en son temps, c'est très important. Mais être tué avant son temps, vraiment, moi je ne vous souhaite pas ça. Et le travail de l'ennemi, c'est ainsi. C'est de faire en sorte que les gens meurent avant leur temps. Donc, ils vont organiser de ces bagarres bizarres, chercher à vous marcher sur les pieds pour qu'une bagarre éclate et que ça se termine ici.
C'est là que je peux profiter de cette belle opportunité, cette belle occasion pour vous dire, mes frères et sœurs, si quelqu'un vous cherche la bagarre, c'est ainsi. Laissez pouvoir Dieu. Quittons dans le mois de décembre. Entrons dans la nouvelle année 2022. Ce mois de décembre, en ce moment-là, c'est un mois très fragile où des choses bizarres se passent. Faites très attention. Moi, je suis déjà la chose, donc je sais de quoi je vous parle. Soyez très vigilant. Quelqu'un vous insulte, ne dites rien. Quelqu'un vous parle mal, ne dites rien. Laissez passer décembre 2021. Laissez passer janvier 2022. Et laissez passer février. Maintenant, attendons-nous à mars. Tout ce qui va se passer dans ces 2 ou 3 premiers 3 mois qui arrivent là, faites attention. Il y a une manipulation du diable derrière. Une manipulation démoniaque. Oui. Et oui. Vraiment, c'est triste. Nyos Reborn est venu pour réveiller les gens. Nyos Reborn, celui qui réveille les gens. Maintenant, une vidéo va apparaître ici, là. Vous allez regarder comment une femme a failli se faire tuer par une amie sorcière, elle et son bébé. C'est parti, allez la regarder.